Der zweite für die Europameisterin am Boden. Nicht viel schlechter, ich würde sagen, in der Ausführung sogar noch ein Stückchen verbessert. Sehr ehrgeizig ist Ilja Podkopaeva, die kein leichtes Leben hat zu Hause in der Ukraine. Lebt sie zusammen mit ihrer Familie, mit den Großeltern in einer kleinen Wohnung. Sie ist diejenige, die für die Familie den Unterhalt verdient. Sie träumt von einem kleinen Haus, aber nicht Ilja Podkopaeva in der Ukraine, sondern in Australien oder Kanada, wie sie meint. Annika Reda aber schon aus Großbritannien beim Gingersalto. Stand Trainer kurz daneben, jetzt steht er mitten vor der Kamera. Das sollte er nicht tun. Der Abgang aus dem Kammgriff, ein Doppelsalto vorwärts. Auch sie hat ihren Weg gemacht, Annika Reda, muss man deutlich sagen. Die englischen Turnerinnen, wie auch die Turner, mit einem deutlichen Aufwärtstrend. Tatsächlich der zweite Sprung noch 9,825, 9,806 für Lilia Podkopaeva. Das ist natürlich ein Start nach Maß. Knapp nur unterlag sie Simona Amanar und Tina Kochetkova, aber die Karten werden hier neu gemischt. Und 9,825 für Svetlana Boginskaya. Ich würde ihr eine Medaille von Herzen gönnen, wenn das nochmal funktionieren würde. Das wäre wirklich sensationell. Sie hatte mit dem Turnen ja auch komplett aufgehört. War noch, wie sich das gehört, ein bisschen an den Geräten, aber nicht mehr ernsthaft genug, um vielleicht bei großen Weltmeisterschaften oder eben solchen europäischen Titelkämpfen an den Start gehen zu können. Aber Svetlana Boginskaya hat sich nochmal herangekämpft. 9,262 für Annika Reda aus Großbritannien. Die deutsche Mannschaft im Übrigen, ich erwähnte es eingangs, auf dem 7. Platz und das, obwohl Olympiastarterin Yvonne Pioch aus Berlin nicht dabei war. Sie zog sich einen Bänderriss im Knöchel zu, die fünffache deutsche Meisterin. Da darf man durchaus auch erwähnen, dass das eine wirklich starke Leistung war des deutschen Teams. Ein 7. Platz war wahrlich nicht erwartet worden. Aber man hat sehr, sehr intensiv trainiert, auch in Frankfurt. Zuletzt Norbert Kuhn hat jetzt mittlerweile die richtige Mischung gefunden, wie er mit den Damen umgehen muss. Er war ja schon mal Cheftrainer 87 in Rotterdam. Wurde dann dem Nachwuchs wieder zugeführt und hat nun das Amt erneut übertragen bekommen. Svetlana Korkina im Hintergrund kurz zu sehen. Wir haben hier bei uns in der Kabine keinen Computer, liebe Zuschauer, deshalb kann ich Ihnen keine Übersicht geben, auch über die Leistungen der anderen. Auch wir sind hier aufs aktuelle Bild angewiesen. Jetzt erstmal Rotation, das heißt Gerätewechsel, einturnen. Kathleen Stark, sagen wir schön, dass wir sie mal im Bild haben, wird heiraten. Nach den Olympischen Spielen, Ralf Kern ist der Auserwählte, denjenigen, die sich mit dem Kunstturnen schon lange beschäftigen. Kein unbekannter Name, Ralf Kern war mal deutscher Meister. Geht immer noch an die Geräte, studiert, will Arzt werden und er sagte, als wir zuletzt in Frankfurt mal zu Besuch waren, er möchte
dem Sport erhalten bleiben. Eine schöne Entscheidung und ich hoffe, dass man bei den Verantwortlichen dann auch auf ihn zurückgreift. Denn es gibt nichts Besseres als jemanden, der aktiv den Sport in diesem Maße betrieben hat, wie zum Beispiel Ralf Kern, und der dann auch noch sagt, ich stelle mich auch zur Verfügung, ich möchte mein Wissen weitergeben. Das muss man ganz einfach nutzen. Lavinia Milosevic aus Rumänien, eine exzellente Mehrkämpferin, aber mit Vorzügen auf jeden Fall am Boden. Noch ein Wort vorhin, als ich diese Geschichte erzählte von Lilia Podkopajewa. Das war auch der Grund, warum sie zum Beispiel nach den letzten Weltmeisterschaften noch in den Vereinigten Staaten blieb. Sie hat ein paar Wettkämpfe, Show-Wettkämpfe bestritten, hat ein bisschen Geld verdient. Sie erzählte, dass es $300 gewesen seien. Und mit denen könne die Familie wieder ein paar Monate in der Ukraine überleben. Das ist alles nicht besonders rosig und sieht auch alles nicht so besonders schön aus. Daran kann man mal ermessen, wie gut es andere doch haben. Auch was die Vorbereitungen angeht auf eine solche Veranstaltung. Aber vielleicht ist das auch eine zusätzliche Motivation, obwohl man gern darauf verzichten könnte, für Lilia Podkopajewa ganz einfach so solche Weltklasse-Leistungen zu zeigen. Simona Amanar, die beste Turnerin in der Mannschaftsentscheidung, Salto vorwärts als Angang. Im Mehrkampf bekam sie hier 9,760 Punkte. Eine leichte Unsicherheit bisher. War schon Junioren-Europameisterin. Hat sich nochmal gefangen, aber auch da wird man an diese Wertung des Vortages nicht herankommen. Akrobatikbahn mit einem Salto rückwärts. Hier noch einmal ein zweiter freier Überschlag. Diese Bahn sehr sicher und dann natürlich der Abgang, ein Doppelsalto gehockt. Nicht ganz so sicher wie vorhin die Kollegin, 9,612. Also auch da ein bisschen wenig ein im Verhältnis zum gestrigen Tag im Rahmen der Mannschaft. Das Prozedere beim Mannschaftswettbewerb ähnlich wie bei den Männern. Drei Damen am Start ohne Streichresultate. Man konnte dann auch die Turnerinnen entsprechend ihrer möglichen Leistung einstufen. Also an spezielle Geräte. Nicht alle mussten den Mehrkampf turnen. Und nun beim Sprung schon. Svetlana Chorkina. Hier Überschlag. Am Anfang die Bewegung wie bei Lilia Podkopajewa. Hier allerdings die Schraube gestreckt, der Salto rückwärts. Auch von der Kombination her wunderschön der Ablauf bei Svetlana Chorkina. 10,0 Ausgangswert auch hier. Sicherer Stand um die 9,8 ganz bestimmt.
9,725. Vielleicht fehlt dir ein bisschen Höhe nach dem Abdruck. Der schien ein bisschen besser zu sein. Auch ihre Übungen werden natürlich entsprechend ihrer Körpergröße kombiniert. Die 17-jährige Svetlana Korkina. Bei der WM war sie Silbermedaillengewinnerin. 9,750. Na ja, könnte man das deuten, so hundertprozentig zufrieden und glücklich sieht sie nicht aus mit dieser Wertung. Obwohl sie korrekt und gerecht war, auch im Vergleich zu den anderen. Ludivine Furnon aus Frankreich. Frankreich ist das Kunstturnier mittlerweile auch auf einer anderen Ebene im Blickfeld der Öffentlichkeit. Elodie Lussac zieht vor Gericht, hatte sich ja in Dortmund bei der Mannschafts-WM verletzt, musste 8 Monate einen Gips tragen, hat einen Ermüdungsbruch erlitten im Rückenbereich. Und während dieser 8 Monate hat sich überhaupt niemand aus dem Verband um sie gekümmert. Dann hat man ihr einen anderen Trainer versprochen, weil sie mit dem bisherigen nicht mehr zurechtkommt. Das Vertrauen ganz einfach fehlte. Das hat auch nicht funktioniert. Deshalb keine Olympiateilnahme für Elodie Lussac möglich und deshalb jetzt der Gerichtstermin. Aber wir gehen zum Sport, zu Lavinia Milosevic. Jahre ist sie mittlerweile alt, muss man sagen, die Führungspersönlichkeit der rumänischen Mannschaft. Aufpassen, diese Pirouetten sind nicht ungefährlich, sehen so spielerisch einfach aus, aber da steckt viel Gefahr drin. Wir haben es gesehen. Ihr erstes Ziel hat sie schon erreicht. Sie meinte vorher, ich hoffe, ich kann meine Mannschaft wieder zum Titel führen. Das ist gelungen. Doppelsalto gewickt, alles gut gegangen am sogenannten Zitterbalken für Lavinia Milosevic, die bei den Olympischen Spielen in Barcelona Dritte war im Mehrkampf, bei den Weltmeisterschaften 94 Zweite, 95 bei den Titelkämpfen wieder Dritte. Der große Einzelerfolg, der alles überstrahlen würde, der fehlt noch bei Lavinia Milosevic. Bei den letzten Europameisterschaften lediglich auf dem 6. Platz gelandet. Im Mehrkampf hier 5. respektive mit der Mannschaft. Jetzt geht es ja bei 0 wieder los. 9,475 hatte sie erhalten. Jetzt sollte etwas mehr dabei herauskommen. Das sieht also schon etwas hoffnungsvoller aus für Lavinia Milosevic. Daneben ist Simona Amanar zu sehen. Und nun zur Französin, zu Ludivine Furnon. In Sabah gewann sie am Boden die Bronzemedaille. Erste Französin übrigens seit langer, langer Zeit.
Katschew-Grätsche hier. Doppelseite gestreckt. Starke Übung von ihr. Eine ausgesprochen gute Bodenturnerin. Das sah man auch schon bei den Weltmeisterschaften in Puerto Rico, als sie das Finale erreichte. Junioren-Europameisterin vor 2 Jahren in Stockholm an diesem Gerät. ...9,537 für Ludivin Furneaux. Das ist ganz normal und auch schön, dass die Kamera immer wieder auch Svetlana Boginskaya sucht, dass man ihren Wettkampf ein bisschen verfolgt. Ich hoffe, wir bekommen noch das Resultat eingeblendet, liebe Zuschauer. Ich kann leider auch nicht zaubern. Kathleen Stark, der zweite Sprung, den sehen wir noch, 9,562. Die trägt ihren Namen wahrlich zurecht im Augenblick. Guter Abdruck, da stand ein bisschen unsicher, hat nicht so funktioniert, hat sie schon besser geturnt. Nichtsdestotrotz ist sie eine sehr, sehr sichere Athletin mittlerweile. Jurchenko ganze Schraube. Prima, dass wir sie noch gesehen haben. Kathleen Stark. Die Wertung werden wir auch noch abwarten können. 9,543 insgesamt. Das Mittel aus beiden Noten. Nochmal beim Sprung. Mirka Martin aus Spanien müsste das sein. Dann kommen wir 9 Ausgangswert für diesen Durchgang. Die Landung problematisch nach vorne, aber gut gemeistert. Wir werden diesen Durchgang gleich noch mal sehen. Bei den Damen ist diese Sprungkombination, diese Sprungart aus dem Rondat mittlerweile üblich geworden, bei den Herren noch nicht. Das ist im Übrigen Jesus Carvalho im Hintergrund. Sein Sohn hat sich aufgemacht, in der europäischen Elite Fuß zu fassen. Denn die beiden Söhne gehören dem spanischen Turnverband an. Und sie da! Erster Platz nach den ersten Geräten. Sie ist Svetlana Boginskaya vor Podkopajewa und Svetlana Khorkina. Simona Manaris fünfte, Lavinia Milosevic auf dem 4. Platz. Ja, und dahinter dann auf der 2. Seite müsste schon bald auch Kathleen Stark auftauchen. 10. also im Augenblick mit 9,543. Vielleicht schafft sie es ja sogar unter die besten 10 zu kommen. Oder auf diesem Platz zu bleiben, das wäre ein toller Erfolg.
Ja, liebe Sportfreunde, leider müssen wir uns jetzt ausblenden aus den Europameisterschaften in Birmingham. Tennis steht auf dem Programm. Viel Spaß dabei. Wir hören uns später wieder. Die 21. Kunstturn-Europameisterschaften der Damen bei Eurosport wurden Ihnen präsentiert von France Telecom. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Convention Center de Birmingham pour assister aux dernières finales des championnats d'Europe de gymnastique à 2 mois des Jeux d'Atlanta avec la finale de la poutre et l'une des grandes reines de ces championnats d'Europe, Mademoiselle Svetlana Boginskaya, 23 ans, qui va devoir démontrer devant ses jeunes concurrentes qu'elle est encore très très performante. Et nous savons avec Michel Boutard qu'elle est capable de nous éblouir. Elle, qui était déjà sur le podium aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Voilà donc une finale superbe avec toute candidate dans la médaille d'or. Mais on sait que Boginskaya a un avantage sur les autres. C'est qu'elle est plus grande, plus belle, plus présente. Et la première à rentrer en piste, c'est Simona Amanar, déjà médaille d'or au saut, entrée avec salto avant. La petite Roumaine de 15 ans et demi est bien capable de nous étonner. C'est parti, salto arrière, pied décalé, flip, salto arrière, pied décalé. Déséquilibre léger, rétabli de justesse, avec beaucoup de maîtrise. Un tour complet. Beaucoup de tempérament chez cette gymnaste, salto avant, bien maîtrisé à la réception. Et beaucoup d'élévation, elle arrive presque jambes tendues sur la poutre. Très légère, très dynamique. Elle pourrait bien surprendre, elle avait la meilleure note des qualifications pour cette finale. Et maintenant, le retour à la poutre pour préparer son acrobatie arrière et la sortie. En double arrière groupé. Simona Amanar, déjà médaillée au championnat du monde, mais qui se prépare avec cette étonnante équipe de Roumanie pour les Jeux d'Atlanta. Il y a bien évidemment, en dehors de Simona Amanar, Gina Gogean, qui peut elle aussi prétendre à une médaille dans cette spécialité toujours redoutée des gymnastes. Tandis que repasse l'enchaînement acrobatique, salto arrière, pied décalé, flip, salto arrière, pied décalé. Et maintenant, l'événement de ce championnat d'Europe, la réapparition de Svetlana Boginskaya, 23 ans. Exceptionnel retour avec un salto en entrée, mais vous allez assister à un récital à la poutre, sa spécialité. Grande présence, expression corporelle de très très haute qualité et surtout deux salto arrière tendu. Un petit déséquilibre là, mais bien récupéré. Bien récupéré. Boginskaya qui aspire à redevenir la meilleure du monde, elle était championne du monde en 1987, rendez-vous compte. C'est sur ces petits déséquilibres qu'elle vient de démontrer, là, tout son métier, tout son savoir-faire et son expérience de la compétition. Salto avant. Oh. Attrapé en demi-flexion.
sauter avec demi-tour. Attention, regardez ici. C'est une des rares gymnastes au monde à faire un double pivot. Double et rattrapé. Avec le sourire. C'est une des rares, c'est la seule au monde avec l'américaine Okino, mais qui n'est plus en compétition pour l'instant. Alors, elle paraît très décontractée sur cette poutre. Quelle présence, quelle allure, quel talent. Et la sortie est double salto. Double salto également, parfaitement stabilisé. Voilà, Bobinskaya qui devrait prendre aisément la tête du concours. Aisément la tête, mais je me demande si les juges ne vont pas être plus sévères qu'avec d'autres gymnastes vis-à-vis de Bobinskaya, qui a certes la notoriété pour elle, qui a également, bien évidemment, la classe naturelle et la beauté. Et on ne pardonne pas toujours aux grandes championnes ces petites fautes de déséquilibre. Mais quel métier pour rattraper cela. Une autre gymnaste serait tombée. 9,575, c'est pas très cher payé. Et non, mais il faut dire aussi que le concours 3, qui est le concours des finales, impose un niveau de difficulté supérieur et qu'il est beaucoup plus difficile de partir sur la note maximum. C'est pourquoi les notes sont plus faibles que lors du concours de qualification. Dina Kochekova pour la Russie, autre gymnaste talentueuse. Concentration. Oui. Ah, voilà. Là. Terrible. Terrible d'en arriver là. Également, elle doit se reconcentrer pour terminer correctement son exercice. Mais néanmoins, la chute fortement pénalisée, plus la difficulté qui ne sera pas comptabilisée. Quart de tour bloqué à l'équilibre, grand écart. Livré poisson. Ah, c'est dommage, c'est... chute de la poutre. Oh. Deuxième vrille poisson légèrement décalé. Un programme très riche en difficultés de valeur mondiale. Et on date double arrière groupé. Elle ne se bagarre pas trop à la réception pour stabiliser. Elle sait que c'en est fini pour elle. Très déçu, très déçu. Dina Kochekova, je l'imagine. Donc pour l'instant, Svetlana Boginskaya est en tête avec une note qui ne correspond peut-être pas à ses aspirations. 9,575. Devant Simona Amanar et Anna Migorodskaya. Ah là 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 là, ça fait mal au ventre. Le regard volontaire, voici Yelena Piskun, la petite Biélorusse capable de réaliser une grande performance dans cette finale de la poutre, d'autant qu'elle sait déjà que Bobinskaya, bien qu'elle soit en tête, n'a obtenu que 9,575. Oui, à 18 ans, elle a aussi, elle, beaucoup de métiers. Voilà, flip, valse complète. Déjà médaillée dans cette spécialité lors des compétitions internationales, Yelena Piskun a un tempérament de bagarreuse. Elle exprime peut-être moins de personnalité que Boginskaya ou que Simona Amanar, mais bon, oui, hop. Ça, quel risque permanent. Énorme difficulté, cette vrille corps groupé sur la poutre. Poisson. Elle doit rester concentrée jusqu'au bout car elle sait que malgré ce petit déséquilibre, elle a intégré quand même une grande difficulté, oui. Est à
sa portée. Dernier passage à risque, la sortie. Randad, double carpé. Bon, eh bien, je vais vous dire, Yelena Piskun a déjà franchi la marche la plus basse, je pense, du podium, c'est-à-dire la troisième, parce qu'il reste encore Rosalia Galieva et Gina Gojean. Sans oublier que Boginskaya est en tête. Et Boginskaya est venue féliciter Yelena Piskun, ce qui prouve que c'est encore presque la grande copine de toutes ces gymnastes avec lesquelles... Voilà le déséquilibre majeur, mais oui, c'est la seule faute de l'exercice. Un exercice qui part sur la note maximum de 10. Elle devrait donc aisément dépasser Boginskaya. Et elle le sait, c'est certainement pour ça qu'elle est venue la féliciter d'entrée. Et puis elles étaient, il n'y a pas si longtemps, dans la même formation de la CEI. Et oui, ce petit déséquilibre qui ne va pas coûter très très cher à la Bélarus, mais 9,650, ça lui permet de prendre la tête. Alors qu'on enchaîne avec Rosalia Galieva, une Russe que l'on a retrouvée, transformée, alors qu'on a connue différente. Oh là là, quelle rime. Oh. C'est très précis, Flip, salto arrière, pied décalé, Flip, salto arrière, pied décalé. Beaucoup de grâce, Rosalia. Un peu mécanique comme rythme, mais elle rattrape tout de même assez bien par une élégance naturelle. Bon salto avant, et maintenant progression arrière sur cette poutre de 10 cm avec la vrille. Oui, poisson. Poisson. Dernière traversée vers le bonheur. Un peu plus difficile. Longue concentration, rondade. Oui, salto arrière, corps carpé. Elle prend la tête, ouais, à mon avis, bien. Michel. Oui, elle devrait facilement s'imposer là encore. Et elle va devancer Galieva. Elle va devancer Piskun, pardon. Elle est félicitée par Arkaïev, l'entraîneur russe, et puis Boginskaya. Tout le monde a senti dans ce milieu de cette finale de la poutre que Rosalia Galieva avait réalisé là une haute, haute, haute performance qui va être, je ne doute pas, récompensée par une note qui ira au-delà de 9,700. 9,725. Voilà. Et la tête est prise. Il reste maintenant Gina Gojean, l'une des meilleures spécialistes au monde. Toujours entrée salto avant. La Roumaine. Beaucoup de très sûre. Même si apparemment, elle paraît un peu dilettante. Salto arrière, ah, déséquilibre. Réception pied serré avec un déséquilibre. C'est Boginskaya qui a dû souffler sur la poutre car elle voudrait bien accrocher une médaille de bronze. Ah. Salto avant. Bien sûr. Quart de tour, un travail près de la poutre qui est imposé par le règlement. Chaque gymnaste doit venir faire un petit tour. Sortie double groupée. Et Michel, la question est de savoir si elle a pris
si elle a impressionné plus que Boginskaya pour la médaille de bronze, puisque désormais on sait que Galieva va obtenir la médaille d'or devant Yelena Piskun. Alors, il reste à Gina Gojean à obtenir plus de 9,575, mais ce déséquilibre-là va coûter peut-être assez cher, bien que le programme de Gina Gojean soit basé sur la note de 10, je pense, au départ, ce qui est supérieur au programme annoncé par Boginskaya, qui était de 9,90. Nous allons le savoir très bientôt. L'affichage va apparaître. Le programme ne m'a pas paru extraordinaire, il n'a pas été très impressionnant. Mais non, et puis, bon, les juges ont peut-être été, comme nous, sublimés par l'apparition de Svetlana Boginskaya. Donc... La note de départ est effectivement 10, et la note finale sera donc forcément relativement élevé, ce qui relèguera, c'est sûr, Boginskaya à la quatrième place. Et voyons voir ce que nous dit le résultat. Deuxième, oui, 9,712 pour Gina Gojean, deuxième à la poutre. Et Gina, vous avez 30 secondes. En finale des barres asymétriques, voici l'une des plus fortes au monde. Médaille d'or au dernier championnat du monde au Japon à Sabae. Svetlana Korkina pour la Russie. Une grande jeune fille d'un mètre 69, 17 ans. Beaucoup de talent. Une ligne parfaite. Et surtout une évolution aux barres d'une très très grande densité acrobatique. Mais aussi d'une fine élégance. La pirouette complète au-dessus de la barre, franchissement de barre avec demi-tour qu'on appelle le Markelov, établissement à l'équilibre. Nouveau tour complet, salto arrière tendu entre les barres, passement filet, franchissement dorsal. Grande envergure, grande amplitude pour la sortie avec un salto avec une vrille demi-tour. Oui, double salto arrière avec une vrille complète. Svetlana Korkina donc, qui apparemment, même si elle a été un petit peu malheureuse durant le concours général, puisqu'elle est tombée à cet exercice, eh bien, en finale aujourd'hui, elle veut démontrer qu'elle demeure la meilleure du monde avec, vous avez vu, ce au ralenti, oui. Ce double. La pirouette complète, la changement de face, double changement de face avec changement de main. Grande ligne, superbe gymnaste. Allez, ici encore un tour complet. Salto arrière tendu entre les barres. Elle va moins vite que les petites roumaines, mais elle est beaucoup plus impressionnante. Et ses ralentis nous le prouvent. Grande difficulté pour les jeunes filles de plus d'un mètre 65 d'évoluer aux barres asymétriques. Mais pour Korkina, eh bien, c'est un régal. Avec un regard et une mine un peu boudeuse. 9,825. Elle est vraisemblablement championne d'Europe. Mais il faut bien évidemment attendre les autres concurrents. Mais soyons assurés qu'avec cette note, elle s'installe fortement sur le podium. Simona Manard de l'école roumaine toujours, qui a déjà eu la médaille d'or au saut et qui apparaît très très dynamique dans cet exercice de haute voltige que sont les barres asymétriques. Attention, beaucoup de rythme effectivement dans ces valses complètes à l'équilibre. Alternance du travail, barre supérieure, barre inférieure, c'est obligatoire. Franchissement dorsal, cachette, bien rattrapé. Et une sortie très près. Sur le soleil. Oui. Simona Manard, qui devrait elle aussi caresser le désir d'obtenir une nouvelle médaille dans ces championnats d'Europe. Voilà, cela semblait beaucoup mieux que Milosevici. La bise de tradition entre l'entraîneur et sa gymnaste, et puis entre coéquipières de la même formation.
mais au ralenti. Maintenant, nous allons apprécier donc l'élévation dans l'espace de Simona Amanar, juste là. Ah, dommage. Voilà, la valse se complète. Plus un demi-tour. Elle donne tout ce qu'elle a, cela se voit dans son visage. La nouvelle valse. On repart à contresens pour aller chercher la barre inférieure. à égalité avec Svetlana Korkina. Donc pour l'instant, l'or est partagé. Voici celle qui pourrait troubler la sérénité de Svetlana Korkina, que vous avez vu réussir un mouvement parfait. Tout comme Simona Amanar, la Roumaine, toutes les deux à égalité à 9,825. Eh bien, Lilia Podkopayeva, l'Ukrainienne, championne du monde du concours général à Sabaé, championne d'Europe ici même à Birmingham, est capable de réaliser une performance de grande qualité. Voilà, deux tours volants enchaînés plus Ginger. C'était le gros morceau de son exercice. Maintenant, elle prépare sa sortie. Très dynamique. Oui, salto arrière. Ah oui. Impeccable pour Lilia Podkopayeva. 17 ans. Et un tempérament de batailleuse qui lui permet à chaque fois de remonter des situations inespérées. C'est le cas aujourd'hui. Lilia Podkopayeva, donc, pour l'Ukraine, qui boucle cette finale des barres asymétriques. La note va apparaître et l'on va savoir si Korkina, la Russe, et la Roumaine Amanar se disputent seule la médaille d'or ou si cette petite Ukrainienne d'1m52 est capable de réaliser une meilleure performance. Elle part sur la note maximum également, donc sa composition est solide en quelque sorte. Les deux tours volants plus le Ginger enchaîné, ces trois lâchés font la difficulté essentielle de son mouvement. La sortie Vrisseltoyer corps groupé est également de bonne facture, un léger sursaut. C'est 9,825 également égalité, pour elle. Égalité parfaite entre les trois gymnastes. Korkina, Amanar et Podkopayeva sont donc championnes d'Europe. Trois médailles d'or aux barres asymétriques, c'est du jamais vu. Place au final de ces championnats d'Europe maintenant à Birmingham avec la finale du sol. Un récital pour les 8 finalistes. C'est presque un sport de gala que nous vous offrons avec tout de suite Dina Kotchekova, la jolie petite russe, poupée russe pourrait-on dire, mais qui réalise là peut-être sa meilleure évolution sur une chorégraphie aux tonalités slaves. Son mavrier ennemi, c'est sa deuxième série avant. Très légère, Dina Kotchekova, 50 kilos, ou plutôt 42 kilos pour 1m50. Superbe, pile. Et oui, sur ce vrille, salto arrière, corps carpé, elle termine son exercice. Une entrée remarquée et remarquable de Dina Kotchekova, donc, devant les 12 000 spectateurs du Convention Center de Birmingham, où se sont déjà déroulés les championnats du monde, ici même. Eh bien, dites-moi, Michel, Dina Kotchekova, beaucoup d'allure, beaucoup de dynamisme,
une acrobatie pure, comme double salto tendu. Ça, c'était sa première diagonale acrobatique. Et là, c'est encore plus complexe. Regardez bien. Flip, impulsion, vrille, salto arrière, corps carpé. Bien rattrapé à la limite de la zone dangereuse du sol qui, vous savez, est déterminée par une ligne blanche qu'il ne faut jamais franchir. Petite ballerine qui a effectué des stages à l'école de danse du Bolchoï, Dina Kochekova. Elle aurait pu devenir danseuse, mais sa taille l'a incité plutôt à pratiquer la gymnastique de haut niveau. Dina Kochekova fait partie de cette équipe russe féminine de haut niveau. Et les juges sont perplexes sur une figure. J'espère qu'ils vont tomber tous d'accord. Elles vont tomber toutes d'accord, puisque vous savez que les compétitions féminines sont jugées par des juges féminins. La petite Kochekova qui avait fait troisième au dernier championnat d'Europe, aujourd'hui avec deux ans de plus, à 19 ans. Peut-être fera-t-elle mieux. Son programme technique est complet. Elle part sur la note maximum de 10. Et on n'a pas pu voir beaucoup de fautes. Alors que se prépare Yelena Piskun, la Bélarusse, qui a déjà brillé lors du concours général, sans pour autant obtenir une médaille. Petit problème d'informatique pour les juges. La note provisoire de 9,80 s'affiche. Et le public s'impatiente. Car vous savez que la grande difficulté pour les juges est de donner la première note qui va étalonner un peu la compétition. Voilà, c'est 9,80 qui est affichée. Dina Kochekova, donc, normalement et logiquement, est en tête du concours avant l'apparition de Yelena Piskun, qui a aussi un très très beau programme que nous allons apprécier. Tempo flip, flip et triple vrille. Très belle série, très belle diagonale, très enlevée. Musical est important, l'influence d'un chorégraphe peut valoriser l'évolution acrobatique d'une gymnaste comme Piskun. Double vrille ennemi percuté, salto avant tendu au temps. Elle est sortie. Dommage. Une vraie ennemie. Dommage, dommage, dommage. Mais quelle poisse. Yelena Piskun, dans sa dernière diagonale, alors que le meilleur avait été fait, elle perd le titre de championne d'Europe, sans doute sur ce petit pas de trop, consolée par Boginskaya. Quelle belle image. Allez, regardons
ce petit bout de chou. On a tempo, c'est le flip sans les mains. Flip, flip, impulsion, et là trois tours, oh, c'est la triple vrille. Triple vrille à une hauteur très enlevée. Ah, sur le plan acrobatique, elle a été plus impressionnante que Kochekova, c'est clair. Ici, on voit la double vrille ennemie percuter, salto avant corto. Oh, et là, malheureusement pour elle. Voilà, dernier autre diagonale vers l'avant, saut de main, flip avant. Salto avant, plus une vrille ennemie, et c'est là qu'elle met le pied dehors. Juste sur la ligne, ce n'est pas, pas dit qu'ils vont compter. Il faut voir. Nous allons voir. J'ai pas eu le temps de suivre le juge qui normalement sort un carton rouge. Yelena si. Piskun, oui, elle est sortie. Il s'affiche une pénalité de 0,2 dixième. 9,412 et elle montre elle-même que c'est là-bas. Voilà, la note de départ 9,90, pénalité 2 dixièmes pour la sortie. Attention, autre événement, l'apparition de la championne du monde et la championne d'Europe du concours général, Lilia Podkopayeva, Ukraine. Un tempérament de feu. Surveillez-la bien, c'est elle qui a le programme acrobatique le plus impressionnant et le plus complet. Regardez, double avant. Oh, extraordinaire. Quel enchaînement. Voyez le mien là-bas. Ah, petit pas de côté. Salto avant tendu percuté, salto avant tendu brille. Dernière diagonale, dernier souffle. On a triple. Oui, c'est derrière qu'en groupé. Très beau travail. Éblouissant. Lidia Podkopayeva, sans aucun doute l'une des grandes favorites aux Jeux Olympiques. Gymnaste au tempérament de feu, je vous l'ai dit, mais je le redis. Très conscient de ses possibilités acrobatiques. Et très ambitieuse, on le voit à son regard lorsqu'elle aborde ses difficultés de haute virtuosité. Toute la série avant, saut de main, flip avant, double avant. Petit pas de trop, oh léger. Oui, mais le programme est tellement conséquent que oh là là, il y a ça va. Kopayeva qui est en grande forme cette saison. Elle l'a démontré à Sabaye, championne du monde, ici championne d'Europe du concours général. Elle est déjà championne d'Europe de la spécialité au sol. 9,862, elle prend la tête du concours. Et elle pourrait bien rester à cette place jusqu'au bout. Et maintenant, c'est Rosalia Galieva, beaucoup plus fine. Double tendu, pied décalé. Pied décalé, c'est de plus en plus fort. Brille avant, percuté, salto avant, encore carpé. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie se livrent un combat extraordinaire dans le domaine de la chorégraphie, de l'artistique, de l'acrobatie. En voici donc les étoiles. Kochekova, Piskun, Podkopayeva et maintenant Galieva. En attendant Boginskaya. Tendu percuté, salto avant tendu, plus vrille. Quelle série ! Corps carpé.
est époustouflant. Très jolie finale originale. Eh bien, bravo, Galieva qui a déjà remporté la poutre. Eh bien, dites-moi. Montre ici aussi d'énormes capacités. Un peu trop sérieuse, peut-être. Félicité par Arkaïev. À peine fatigué. L'entraîneur russe, oui, le rythme cardiaque redescend logiquement, mais c'est une fille en excellente condition physique, cela se voit. Et alors, sur le plan acrobatique, eh bien, autant Potkepeyeva nous avait impressionné, autant là, c'est une... Oui, le réalisateur commence par la sortie. Severis Altorayer Korkarpe, alors peut-être l'entrée maintenant. C'était original, Ronda Tulip, impulsion. Et non, il remonte encore la sortie. J'aurais bien aimé revoir le double salto arrière tendu, jambe décalée. Cela aurait été très intéressant. Et 9762, seulement troisième, Galieva, un peu sanctionné. Oui. Dommage. Elle était championne olympique aux Jeux de Barcelone en 1992. Elle est toujours là, Lavinia Milosevici, bientôt 20 ans, est toujours excellente dans cette évolution d'une minute trente où il faut exprimer toutes ses qualités acrobatiques, artistiques et séduire le public et les juges. Musique très emballante. Quel profil. Vous devriez m'y faire quitter cette fois avant. Très fort aussi. Milosevici, ce n'est pas n'importe qui. Vrai championne olympique, troisième des derniers championnats du monde, il faut le rappeler. Ah, toujours présente depuis 4 ans maintenant et avec encore des ambitions avec cette équipe de Roumanie par équipe aux Jeux olympiques d'Atlanta, tout simplement parce que la Roumanie est toujours championne du monde. Et cette Lavinia Milosevici est un exemple de longévité. Une gymnaste athlète qui a bien mûri et qui s'épanouit à 20 ans, encore au plus haut niveau, avec une note de 9,862, j'ai bien vu. Oui, c'est ça, elle fait jeu égal avec Lilia Potkopayeva pour l'instant. Première place partagée. Juana Juarez, Espagne. Le sang chaud, beaucoup de tempérament, elle aussi. Il a trouvé en finale dans ses championnats d'Europe, c'est déjà un exploit. Double tendu d'entrée. Vrille avant, percuté, salto avant. Un exploit, mais une spécialiste aussi de cet appareil. Elle était déjà finaliste au championnat du monde de Sabah en 95. Elle y avait pris la cinquième place. Mmh.
joli. Tempo, tempo, flip et double vrille. Programme très riche aussi. Vrille avant, percuté, salto avant, carpé. Ah, gros succès pour l'Espagnol Juan Arjorez. Peut-être un manque de finition par rapport aux Russes, aux Ukrainiennes et aux Bélarusses. Mais un programme qui doit tout de même inquiéter notre petite Ludivine Furnon qui n'a pas réussi à se qualifier pour cette finale des championnats d'Europe et qui était troisième au championnat du monde. Mais qui termine 9e du concours général. La petite faute de pied dans l'élévation. C'est très très léger. Très léger, mais tout se remarque. La note sera importante. Et son tour était très beau. Pivot. Ah, 9,80. Les places sont chères sur le podium. Pour l'instant, eh bien, nous en sommes. Ah, en tête, mademoiselle Podkopayeva avant l'apparition Emilzovici de la belle Svetlana Boginskaya, dont on vous a dit que c'était son retour au plus haut niveau. Oui, Salto Ayakor groupé. Quelle présence. La star s'exprime. Avant, percuté salto avant, carpé demi-tour, percuté salto avant. Vrille avant. Attrapé de justesse. Peu un peu bas, mais quel métier. Oh. On est ébloui, comme en patinage lorsque Katarina Witt évoluait. Eh bien, c'est exactement le même phénomène aujourd'hui. Svetlana Boginskaya, championne du monde en 1987, sur le podium des Jeux Olympiques de Séoul en 88. Cela nous ramène 8 ans en arrière, eh bien 23 ans, elle est encore présente, 1m68, vraiment, vraiment, la gymnastique a tout à gagner en montrant ce genre de championne, c'est tout à fait beau. À double vrille et demi, c'est là que, en demi-flexion, elle réussit à éviter la chute. Le problème est de savoir, Michel, si elle va obtenir au moins, pour se classer parmi les trois meilleurs, 9,80 à égalité avec Kochekova. On ne sait jamais. Ce serait bien, bien. Voilà, sa note de départ est un peu plus faible. Elle est de 9,90. Aïe, 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 aïe. Sixième. Sixième seulement avec 9,60. Certainement cette réception un peu basse sur le salto avant. Ben écoutez, on attendra les Jeux Olympiques d'Atlanta pour savoir si Svetlana Boginskaya pour réaliser encore un exploit, nous y croyons. Simona Amanar est la dernière concurrente à passer pour la Roumanie. Déjà médaille d'or du saut de cheval. Double salto tendu. Parfait. Okay.
faux flip. Double varini percuté, salto avant. Et triple vrille. Il y a encore regroupé. Ah, Simona Manard peut s'intégrer parmi les trois meilleurs de ces championnats d'Europe. En tête, Podkopayeva et Milosevic avec 9,862. Peut-être va-t-elle devancer la russe Dina Kochekova. C'est tellement difficile de séparer ces jeunes filles qui sont particulièrement performante en acrobatie à tous les instants. Tempo, flip, impulsion, un tour, deux tours et demi plus salto avant. Voilà, c'est peut-être là que la médaille s'échappe, cette petite glissade. Il lui faudra de toute manière dépasser le 9,80 ou égaler le 9,80 pour avoir droit au podium. Rissi Altoyer, corps groupé. Et elle part déjà sur 9,80, la note de base et ça est assez faible. Donc, adieu podium pour Simona Manard. Le programme n'est pas suffisant. Attendons la note finale. Cette note finale qui ne devrait pas bouleverser la tête de ce concours du sol féminin avec 9,562, elle est 7e derrière Boginskaya. Médaille d'or, Podkopayeva et Milosevic. Une médaille pour l'Ukraine et pour la Roumanie. 3e, la Russe Kochekova. 6e, Svetlana Boginskaya, qui n'a pas fini de nous étonner dans 2 mois à Atlanta. À vous, Michel. Quelques